Fabien Fautaré. Salut à tous les amis, bienvenue pour déjà le troisième Grand Prix de la saison à Imola, Grand Prix d'Émilie-Romagne. Salut Fab. Salut Mike. Je pars en pôle, la deuxième de la saison, Fab un petit peu plus loin, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. On va tenter la passe de 3. Un total de 19 virages, 9 à droite et 10 à gauche. Il se distingue de la plupart des autres tracés par un pilotage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut juste espérer que les pilotes ne l'oublient pas aujourd'hui. La sortie du virage 18 sera quant à elle l'endroit idéal pour les dépassements car elle mène sur la plus longue ligne droite du circuit et sa seule zone de DRS. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage? Il ne suffit pas d'être le plus rapide pour gagner une course, Julien. Il faut une intelligence de course suffisamment élevée pour savoir qu'une course ne se gagne pas en un tour. Il faut donc toujours être prêt à freiner tôt et à laisser de la place aux pilotes autour de vous. Tenter de freiner le plus tard possible avec une demi-douzaine de voitures autour de vous peut payer de temps à autre, mais c'est aussi le meilleur moyen de perdre son aileron avant. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Iceman part en pole position, accompagné de Lando Norris qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Sainz, Leclerc, Sébastien Vettel et Hamilton, Cheng, Zhou, Bottas et Max Verstappen, Gasly, Russell, Esteban Ocon et Giovinazzi, Stroll, Perez, Yuki Tsunoda et Robert Schwartzmann. Mick Schumacher et Nikita Mazepin. 3, 4 secondes, 7, les As. La grille pour la course du jour. Allez. La stratégie. Ok. Putain, comme il m'a bouffé. Ah mais c'est des fusées les bagnoles. C'est beaucoup, là. Comme ça.
Ah, je te dirai ça tout de suite, putain. Putain, Fab, bordel, deux fois que tu continues le premier ce virage là. Oh. Ah, j'ai bien vu, j'ai perdu une place, connard, c'est pas la peine de me le dire. Bouffon. Ah, dommage. Ah, j'ai pas le DRS. Je suis à plus d'une seconde. Merde ! Au fond plat. Au fond plat qui a pris des dégâts. Ah, c'est bon là, blaireau là. Vas-y, va te faire foutre. C'est lui qui me rentre dedans, c'est pas moi. Hein. Connard. Je vais poser qui ? Pour lui. Mm-mm-mm-mm.
Ok, ralentis, ralentis. Ton delta est négatif, ce qui signifie que tu roules trop vite. Ralentis. Et voilà. Quoi? Course terminée bientôt. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, mais ça va, je roule encore, mais elle est foutue. Elle est foutue, ma course. J'y arriverai jamais à ce jeu. Oh, Norris, il est fort. Putain. Vas-y Fab, t'es con aussi. Vas-y, bousille encore plus la bagnole. Pas de soucis à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Continue à les économiser.
Oh, j'ai envie d'aller dans les stands et m'abandonner là, ça me saoule. On va voir jusqu'aux arrêts. Les arrêts, puis on verra bien après. Pas passer. Reste calme, reste calme. Bon, t'arrête d'aller dans ce bac à sable de merde là, putain. Oh là là. Dans le seul hors course. Allez, vas-y, vas-y. Allez, va te faire tout. Attention, attention. Fais attention, il y a eu un accident dans la partie suivante du circuit. Pas de dépassement sur les jeux de drapeau jaune. Tu vas me faire chier avec tes stratégies de merde, toi. Tout donné pour repartir devant, on va voir. Allez. Fonce, fonce. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver. Ah, il repasse devant. Quelle bagarre. Ouais, c'est bon. Hop. Le stand déjà abandonne. Ça sert à rien de continuer.
T'as abandonné? Non, pas encore. Mais c'est ce qui va se passer de toute façon. Ça sert à rien de continuer. Je vais essayer de voir un peu, mais c'est pas la peine. Rien à dire, dans cette carrière, j'y arriverai jamais. C'est tout. Voilà, marqué 18 points, 16 points en Bahreïn, hop, ça sera les seuls points de la saison. Voilà. Pilote devant. Ah oui, un putain de merde, hein. Oh, ça me fait chier, hein. Quelle erreur, tu te distrais pour rien aussi, hein. Qu'est-ce qu'il est fort aussi, Norris, putain, hein, j'étais passé sur trop large. Attends, encore l'occasion, il reste des tours. Hein. Ouais, mais il est chaud, hein, Fab. Putain, ouais. Je fais des tours bien, de fou, je suis toujours à une seconde deux. Ouais, mais je pense bien, t'inquiète. Il reste encore beaucoup de tours, hein, on sait jamais. Hein. Ouais, j'ai plus le DRS. Voilà, j'abandonne. T'inquiète, j'étais au stand. Ouais, donc, ouais. Ça sert à rien que je continue. Pff, c'est pour la peine. Et tant que j'abandonne. Pah. C'est parce que c'est un drapeau bleu, ce connard là. Ils sont cons, ces drapeaux bleus, ils sont en fantôme, ils peuvent passer, mais eux ils restent derrière. Regarde la bagarre, Fab. Ouais, bah, je suis en train de le regarder, mais je suis en train de faire ma clope en même temps. Je regarde, t'inquiète. Je suis en train de tout donner à une erreur et je suis dans le décor. Là, je suis bien à la réaccélération, ça après. Hein. On est au-dessus, la McLaren, quand même.
C'est bien, Vettel, il marque le point pour l'équipe, c'est bien. Ouais, il est troisième. Vu le coéquipier qu'il a. S'il veut passer premier pilote, bah qu'il passe premier pilote, ça me dérange pas. J'ai le DRS. Puissance maximum. Allez. Oh, pas ici. Oh, oh. Rien dans cette carrière à la con. Un super résultat pour mes grands prix, après ça y est, c'est la cata qui commence. Hey, yep. Dépite. DRS, où je suis bien là. Non, oh là là, oh là 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 là. Pff, trop de risques. Hein. Il défend bien. Ouais, il est fort. Y a claque, je peux la voir. Bah oui. Il y a un drapeau bleu là, il va ralentir donc je te préviens. Comme ils sont cons, ils peuvent pas à travers.
pas à l'aise avec les hard. Elle glisse à la voiture. Il a une meilleure pneu que toi. Ouais. 25-20 pour toi, et lui devant il a 14 et 14 je crois. J'ai pas vu les autres pneus arrière. Non, je peux pas suivre. Oh, ça passe, ça passe.
reste 5 tours de carburant. Nous avons près de 4 tours de carburant. Peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant, tout va bien. L'écart avec notre coéquipier est de 1,5 secondes. Il nous reste 2 tours de carburant. Allez, donne-moi de la puissance moteur maximale. Allez!
Yes! Yes! Putain, comme j'ai résisté! Putain, j'ai mal au doigt à mort là. Oh, quelle course! Bien joué, Norris. Putain, il va être dur à. Oh là là! Quelle bagarre! Bien joué Norris, quel combat. Alors que les vainqueurs s'avancent vers le podium, on peut déjà imaginer la fête. Mais tel troisième. Ce soir. Félicitations à tous les membres de l'équipe. Eh bien, ça me fait une belle jambe. Éprouvez qu'ils ne sont pas là pour faire de la figuration. 3 sur 3. Putain, quelle est belle aussi celle-là. Très très fort Norris, hein. Putain. Avec vous, ça semble facile. Le public a l'air comblé. Votre écurie a dominé la course aujourd'hui. Était-ce tant mieux, elle a pas me casser les couilles, tant mieux. Quel est le secret de votre succès? Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre coéquipier sur le podium? Tout, merci. Ben voilà les amis, je remporte le Grand Prix d'Émilie-Romagne, le troisième de suite, on est super bien parti. Et Norris, quel duel, les McLaren au-dessus pour le moment, Vettel 3ème, Sainz 4, le Chinois Zhou 5, Leclerc 6, Verstappen 7, Bottas 8, Gasly 9 et Hamilton seulement 10ème, il a le meilleur tour, donc 2 points. Fab qui a abandonné, c'est dommage, la poisse continue à s'acharner. Incroyable. C'est pas dommage, je suis nul, point c'est tout. Le classement du championnat du monde, 35 points d'avance sur Norris. Tiens, classement du classement, tiens, va te faire enculer, classement de merde. Carlos Sainz, 3ème. Et Hamilton 4 au constructeur, on a 57 points d'avance sur Ferrari. Donc voilà, McLaren super bien parti. On se retrouve pour le 4ème Grand Prix au Portugal. Je pense que c'est ça, ouais. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien les amis. Et on se retrouve au Portugal. Ciao, ciao.